Salut à toute la communauté Platine Coin. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer exactement comment faire de façon pratique le swapping des PLCU en Smart Coin. Alors, la première étape, c'est que je vais aller directement sur le site officiel du swapping qui est PLCU, PLCswapping.com. Ici, déjà dans mon tableau de bord, vous voyez un paiement en Smart Coin qui est déjà disponible, c'est parce que avant ça, dans la vidéo précédente, j'ai eu à faire le swapping des PLCU classiques en Smart Coin, raison pour laquelle c'est ce paiement-là qui est là. Bon, dans notre cas de figure maintenant, il s'agit de faire le swapping des PLCU en Smart Coins. De façon pratique, comment ça se passe? On a deux manières. On peut venir soit sur Swap ici, et directement on se retrouve sur la page ici. Et on peut continuer les opérations, ou à défaut, on peut revenir dans les trois traits verticaux à l'extrême droite en haut. Cliquez ici et venir cliquer sur Swap. Donc, en cliquant sur Swap ici, Swapping, directement, on se trouve dans la page ici. Mais comme le swapping sur 5 ans est plus intéressant, malgré que le thème soit long, alors moi je vais choisir 5 ans. Pour ceux qui veulent 3 ans, ils peuvent cliquer ici et activer 3 ans. Mais moi je vais activer pour 5 ans. Donc après avoir activé 5 ans, comme c'est le PLCU qui me concerne, vous voyez la première année on a 1%, deuxième année 2%, et on a 4% la troisième année, 8% la quatrième année et 85% la cinquième année. Or, je vais swapper mes PLCU en Smart. Alors, je vais cliquer ici sur Swap. Quand je clique sur Swap, on me demande de valider les conditions d'échange. Je valide. Je valide. C'est après. Je clique sur Accepter. Et directement, me montre l'adresse sur laquelle je dois déposer l'adresse pour fournir mes PLCU. Je vais cliquer ici. Copier. Et je vais dans mon wallet PLC dans mon wallet Ultima. Je vais chercher la pièce. J'ai quelques pièces PLCU dans mon wallet. Alors, voilà quelques pièces que j'ai dans mon wallet. Je vais cliquer sur envoyer. Je mets max suivant. Je colle l'adresse qu'on m'a fournie sur le site du swapping. Je clique sur envoyer. On me dit félicitations. Cela a été envoyé. Et mon solde Ultima est vide. Voilà. Donc, ça est, donc pour dire que j'ai exactement envoyé tous les PLCU vers le swapping en Smart. Je vais regarder. PLCU. On me dit il y a une minute. Je peux maintenant revenir dans la page du swapping pour voir si c'est déjà arrivé. Je vais cliquer sur les trois traits, tableau de bord. Donc, voilà. Je suis ici déjà à. Les choses sont en train de se cumuler. Je regarde ici, nous sommes déjà à 36. Bon, je peux revenir dans l'historique hein, pour voir l'historique des swappings. Je vais historique du swapping. On me dit j'ai envoyé des PLCU. Voilà les PLCU que j'ai envoyé. Mais avant cela, j'ai eu à envoyer des PLCU classiques. Donc, je reviens sur mon tableau de bord. Voilà de façon concrète comment on fait le swapping des PLCU en P en Smart. Donc, vous voyez en bas, vous pouvez revenir maintenant regarder ce qui est dessus. Un an ou des premières années, voilà ce qui se passe et autres. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux ou celles qui sont nouvelles sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la clé de notification pour ne pas manquer les prochaines publications. Bye!